Yo les potes, jour 2 du vlog et on accueille directement une nouvelle invitée. Levana a 17 ans. Sa maman gère toujours son compte Instagram. Elle ne dort qu'avec la lumière allumée et elle est venue conquérir le cœur de Néo. 3, 2, 1, go. Oh, je crois que t'es très ton bonheur. On va relooker Néo pour le faire entrer dans une boîte de nuit. C'est parti pour le Cap d'Agde. On va pouvoir passer une semaine tranquille de vacances et tout comme nous, profiter de vos vacances en toute tranquillité grâce à mon sponsor du jour, CyberGhost VPN. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un VPN? C'est un logiciel bien utile et bien pratique qui vous promet une navigation sur Internet en toute sécurité. Vous craignez un piratage ou d'être victime de sites malveillants? CyberGhost VPN est là pour vous. C'est un réseau privé virtuel qui permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de les diriger dans un trafic Internet beaucoup plus sécurisé. CyberGhost va donc masquer votre IP sur les sites que vous visitez, mais en plus de cela, il vous permettra de vous connecté à des IP étrangères. Et là mon gars, si tu te connectes avec une IP japonaise, t'as tous les animes que tu veux sur Netflix. Et grâce à une IP étrangère, t'as surtout tous les films qui sont pas encore sortis en France. Ça marche sur PC, téléphone, console, et tout ça en un clic. Il y a plus de 38 millions d'utilisateurs avec une note parfaite sur Trustpilot. Et en plus c'est pas cher, seulement 2€ par mois pour tout l'abonnement CyberGhost. Bref, en vous rendant dans le lien dans la description, vous gagnerez 4 mois gratuits sur l'offre de 2 ans. Vous pourrez utiliser CyberGhost VPN sur cet appareil avec un seul compte, que ce soit Windows, Mac, iOS, Android ou Linux, et même vos consoles de jeux et Smart TV. Je vous invite à tester car vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés, donc dans tous les cas vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Merci à CyberGhost VPN et vous de soutenir mon travail. Sur ce, retour à la vidéo. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouveau vlog, deuxième jour. C'est le matin, on est tous éclatés parce que hier on s'est couché hyper tard. Je crois qu'on s'est couché à 3h. Est-ce que ça va, Rick? Je sais pas pourquoi on a fait ça, frère. C'était le jour 1, c'était le jour important. Et toi ça va? Je crois qu'on est les seuls levés avec Kyoshi et le réveil est difficile. Hein. Là, il est déjà 10h et on est tous éclatés quoi. Donc, on va se réveiller petit à petit et j'espère que ça va aller. Bon, le petit chocolat chaud, les gâteaux. Toi, c'est plus équilibré, j'ai l'impression. Hein. Et toi, bon, ça va, je suis rassuré, très heureux. Ça va, regarde, c'est pas E, tu vois, c'est D. Tu vois, c'est pas encore la mort. C'est encore le pire. A few minutes later. Je vais perdre instantanément, les gars, ça va aller très vite. Hein. 3, 2, 1, go. Oh, vas-y, Kyoshi. Ah, il mange même pas de bâtard. Oh non. Ah, tu forces pas encore. Tu vas gagner. Achou. Non. Mec, il m'a cassé le bras. Il forçait même pas. Prêt? Ouais, 3, 2, 1, go. C'est parti les potes, on va faire du shopping. Bon, il y a une grosse ambiance avec Yoshi. Hein. Ouais, c'est toujours la caisse, faut toujours mettre le son. Petit shopping là, on va acheter l'outil moustique du coup. Est-ce qu'on achèterait pas de la crème solaire 50, les gars? Parce que la crème solaire 50 là, ça va nous carrer. Hein. Moi je connais la marque. Ça y est, on a trouvé des trucs anti moustiques. Tu veux un tire-tic aussi, Yoshi? Tu peux enlever Yoshi comme ça avec la pince. Je suis un tic, moi. Je crois que t'es très ton bonheur. Alors les amis, je vous apprends un truc. Quand les bulles elles sont en haut, faut pas boire, ok? C'est périmé. On donne des conseils, d'accord. Voilà. C'est des boissons à billes ça. Tu connais? En gros, t'as une bille à l'intérieur, tu l'as fait sauter. C'est sympa ça. Ça y est, on a fini le shopping, les potes. Là, je pense qu'on va aller dans d'autres boutiques pour acheter d'autres trucs. Pour le TikTok, ça va être marrant. Là, on a pris un max de bubble tea. Je crois qu'elle a plein de TikTok à faire là. Regardez mes petits bébés. Je suis vraiment le pire cadreur de l'histoire, les gars. Je suis vraiment désolé. Bon, les potes, là, on a passé l'après-midi à faire plein de tournages piscine. Franchement, c'était trop cool. Du coup, là, Kyoshi, on mange un bon gros burger, tu vois. Et après, on fait quoi? Après, on va relooker Néo pour le faire rentrer dans une boîte de nuit. Parce que les frérots, ils pensent qu'il va rentrer avec du Sweo ou du Bape. Mais Sweo, c'est la meilleure marque, du coup, ça passe. Non, mais oui, mais Sweo, en fait, c'est tellement stylé qu'il te laisse pas rentrer dans la boîte de nuit, en fait. Je vais réussir à rentrer avec au moins un truc Sweo. Faut te montrer avec ouais, bah alors des chaussettes, hein, cachées. Regarde nous et habite en. Non, mais regarde, regarde comment on habille. On habille genre en mode giga simple. Ultra neutre. Bah oui, mais parce que tu vas dans une boîte de nuit. Regardez, c'est simple, c'est boîte de nuit. En fait, si plus tu t'habilles simple, plus tu rentreras. Les burgers sont arrivés. Bon appétit. Franchement, ils sont costauds les burgers. Ouais, vraiment. A few moments later. Ok, les potes, on a bien graille. Et maintenant, on va essayer de partir en boîte de nuit. Du coup, là, il nous faut une tenue. Let's go. Ouais, parce que là, je l'adore, Néo. Hein. Mais là, tu rentres pas dans une boîte de nuit. Hein. Non, mais arrête, c'est bon, la tenue Sweo, elle est incroyable en bleu et tout là. C'est stylé. Bah ouais, mais en fait, Sweo, c'est tellement classe. C'est tellement bien, Sweo, que c'est pas accepté dans les boîtes de nuit. Ah là, je comprends tout à fait, bien sûr. Bon, mais du coup, là, j'ai ramené tous mes t-shirts. Donc, attends. Sweo, c'est bien là? Non. Mais déjà que le t-shirt Mario, tu peux l'oublier avec le t-shirt Mario. It's me, Mario. Non, Off-White, mec. Off-White, c'est une marque qui est reconnue. C'est, on sait que c'est un truc qui vaut un peu cher. En fait, dans les boîtes de nuit, c'est soit t'habiller très simple et très classe, soit t'habiller avec de la marque. Et pour moi, Off-White, c'est de la marque. Ça passe. C'est Off-White, hein. Alors, en fait, ton Off-White, il va très bien, mais il va pas très bien avec ton short, du coup. Ah. Là, ça va pas du tout. Écoute, ton short, regarde, j'ai ça. Non, c'est pas très beau. Tu t'en es rendu compte par toi-même, j'ai même pas eu ça de le dire. J'ai ça, regarde, un Bape. Non mais gros, on va être dans une boîte de nuit. Trop stylé.
Ça passerait. Ou en maillot de bain? Oui, en maillot de bain dans une boîte de nuit. Non, en vrai, il faut un pantalon. Moi, je propose qu'on demande à Rayton s'il peut pas t'en passer un. Oh, non, oui. Mais mec, à ce point-là? Ah bah, je pense qu'en short, sur un pas. Et niveau chaussettes, je pensais prendre des chaussettes pizza. Ça va être bien, hein? Tiens, regarde, genre, c'est beaucoup plus stylé. Non? Mais attends, j'ai aussi ça là, regarde. Chaussettes Dark Vador. Tu vois? Comme ça là. Moi je dis que c'est un charme. Hein. Je pense qu'il m'a accepté. Bon, Néo, fais-moi confiance. On va aller chercher un pantalon à voir avec Rayton, d'accord? Et chaussette, tu vas mettre le truc le plus classique possible. Rayton, est-ce que t'as un pantalon à prêter à Néo? Vas-y, on va voir. Allez, let's go. Gros. J'ai que des shorts. Le seul pantalon est sur moi. Non! J'en ai un autre. Il est violet. Ça, tu mets un short blanc, ça passe? Ouais. Non, genre. Pantalon, je pense. Ça passe déjà plus qu'un short. Le flow est ok. Là, le flow est. Là, il est parfait. Là, t'es très bien, mec. En vrai, t'es. Ça paraît pas déconnant. C'est très très bien. Là, tu rentres. C'est bien. Dans là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu mettes de la poudre sur tes cheveux. Tu vas aplatir tes cheveux comme tu avais envie de te les mettre de base. Ensuite de ça, tu vas prendre 2-3 cheveux et tu vas les mettre dans des positions un peu random. Tu te regardes dans le miroir, il faut que tu arrives à le faire tout seul, d'accord? Et le but, c'est que tu vas avoir un effet coiffé, mais que tu auras 2-3 cheveux ou quelques cheveux qui seront un peu décoiffés. Ça donnera un peu un effet décoiffé et t'es un peu plus cool que juste en mode très classique. Déjà, tu peux la saler la tête. Oui, c'est du sel. Bon, allez, vas-y, maintenant. On a juste qu'il va saler la tête. Coiffe tes cheveux comme tu veux. Coiffe tes cheveux comme tu veux. De base, toi. Toi, tu préfères les coiffer comment? Aplati les mecs. Je t'ai parlé, lui c'est mais c'est je, pas, je ne comprends pas le concept, pourquoi tu te décoiffes les cheveux après tu les raplatis. Raplatis les directement, c'est la même chose. T'as pas une brosse? T'inquiète mon gars. Ouais, on est ensemble, parce que là je vois que t'es dans un moment pénible de ta vie. Ah ouais, vraiment. T'as tout mon soutien et je pense que t'as tout le soutien des abonnés. Merci. On va trop looker, on va te rendre trop stylé, vas-y. Hop. Putain mec, déjà ça donnait 100 fois plus de volume à ses cheveux. Attends. Ça n'a rien à voir. Fais comme ça un peu. Ouais, c'est ce que je pensais faire. Voilà. Mec, sans problème. Touche plus. Ouais, là, touche plus. Là, t'as ton prime. Ça, je peux rien. Et là, t'as ton prime. Mais what the fuck? Ah, mais je sais. Mais là, t'es bien habillé. Là, c'est bien. Mais t'as moi, je dis, c'est le travail d'un artiste. Hein, le travail d'un homme. Later. Salut. Ça va bien? Ça va bien, quoi? Ça va très bien. Allez, les retrouvailles. Trop bien, ouais. Bienvenue dans la villa. Salut, enchanté. Enchanté. Les Vanna. Donc, ok, Rayton. Donc, ok. Salut. 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 Enchanté. Et là, on a trop bien. Attends, mais là, y a deux vlogs en même temps. Là. Ouais, là, c'est un double vlog, j'ai l'impression. Ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement. Parti. Une semaine dans la villa. Ouais, je suis trop contente. Bon, allez, dégustation de bubble tea avec Zilia. Parti. Alors, bon, tu vas faire tester. T'as, hein. T'as déjà goûté au supermarché ou pas? Quelques fois, mais c'est vrai que là, tu vas me faire surtout tester, je pense. Hein. Bon, c'est pas la meilleure chose. Enfin, c'est industriel. Mais ouais. Voilà, ça reste quand même des bubble tea. Donc, Ok. Bah, impatient alors. Oh là, les besties. Aujourd'hui, je suis avec Néo. Je vais lui faire déguster des bubble tea. Bon, il en a déjà goûté, mais on va voir sa réaction un petit peu. Je suis curieux de tester. Hein. Voilà. Moi, je vais goûter litchi fraise. Et moi, pomme pêche. C'est bon ou pas? Non, ça a pas l'air bon. À ce point-là? J'aime pas. J'ai une sorte de goût de pomme. Bonjour les gars, on dirait y a pas de goût, c'est vraiment industriel. Note sur 10. Pour moi, c'est un 5 sur 10. Parce que ça, c'est bon, mais pas les billes. Moi, c'est vraiment 0 sur 10. Hein. Ah ouais. Parce que je vous jure, y a pas de goût, on dirait. D'accord, normalement, c'est super bon quoi. Bon, alors, attends, on va essayer d'ouvrir des ramunes, ça va être très drôle, je pense. Dégustation de ramunes avec Maria et Xilia. Donc là, c'est goût normal, je crois. Je sais pas, c'est des bulles. Ça, c'est yuzu. Je crois que c'est des oranges. Ah, moi c'est litchi. Litchi, ok, bah c'est parti. Je vais l'ouvrir. Vas-y, on compte sur toi. Oh let's go. Ah, trop bien, j'ai réussi. Et maintenant, dégustation. Moi j'aime bien. Moi j'aime. C'est pas bon. Bah écoute, moi ça va très bien mon gars, je suis à l'orange de Billy Joe hier. Sérieux, t'es à l'orange de Billy Joe? Mais ouais, mec, t'es même. Trop crazy. Ah, I'm too crazy. Attends, on va demander à Laura. Écoute, moi ce week-end, je suis allé avec tous mes potes. On est allé au Buffalo Grills. Sérieux? Buffalo Grills, c'est des grills. Je vois que Kyoshi est prêt pour la boîte de nuit. Hein. Ouais, je suis prêt pour la boîte de nuit, frérot. J'ai changé de flow carrément. Eh, carrément? On est dans le thème ou? Pas dans le thème du flop, ouais. Bon, les gars, c'est parti. Il doit bouger ce petit caillou là. Kyoshi veut me forcer. Ce petit caillou, j'ai dit. Allez, il faut qu'il bouge au moins un minimum. Un tout petit peu. C'est quoi? Tu l'amènes à la porte là-bas, je te donne 1000 balles. Vas-y. Bah mec, en vrai, hein, je mets toute ma force. Hein. Celui d'à côté, le plus petit. Celui d'à côté, tu me le fais bouger, là, arrête-toi. Oh, il a bougé. Tu vois, il a réussi à le bouger. Oh putain, bah bien, wesh. Il y a peut-être un club naturiste. Tu sais, on se déshabille. Bizarre. Non, mais c'est pour essayer. Allô, à minuit. Bon, Kyoshi, est-ce que tu penses qu'on arrivera à aller en boîte de nuit? Pour l'instant, il est pas assez tard. J'y crois pas. T'y crois pas? En vrai, je pense qu'on va réussir à trouver des trucs, mais pas dans cette boîte de nuit là. Ok.
Bon, on va trouver, c'est mec, on est au Cap d'Ax, y'a rien de vraiment, c'est abusé. Putain, les gens ils sont censés être à poil là, ils sont où? Quoi? Non, mais. Ouais, toujours très bizarre, Kyoshi. Hein. Non, mais c'est pour des. Ouais, ouais. Ça, c'est de la glace, les amis. Ça, c'est de la glace, ça, c'est de la bombe. Félicitations. Et voilà, les potes, on a réussi à y aller du coup. Je sais pas si on nous entend, mais voilà. C'est carré. Ok, les gars, c'est bon. On est dans une première boîte de nuit. On va bouger un petit peu pour aller faire une boîte de nuit. Franchement, on s'en fait 3 dans la on l'entend tellement pas. Ça me tue. Il y a pas d'alcool, hein. Non, y'a pas d'alcool, moi. Y'a pas d'alcool, je tiens. Non, en vrai, y'a pas d'alcool. C'est un Virgin, les gars, je conduis. Donc, il conduit quand même, donc faut assumer. Hein. Non, non, en vrai, c'est un Virgin, les gars, y'a pas d'alcool. Ok, ça va. Moi, ouais, il a essayé de me conseiller un truc avec de l'alcool, j'ai direct pas aimé. Hein. Mais ça va, en vrai, j'ai mis un Jäger Boom, c'est pas un giga. C'était... J'ai bu une mini gorgée, j'ai pas du tout aimé. En vrai, s'il aime pas, qui boit pas. Ne vous forcez pas à boire, les frérots. Buvez ce que vous aimez, c'est plus important. Bon, les potes, on vient de sortir de la boîte de nuit, du coup. T'as bien aimé, Kyoshi? En vrai, c'est déjà on n'est pas allé dans une boîte de nuit, techniquement on est allé dans un bar. Mais la boîte de nuit, ils acceptaient pas les chaussures et le pantalon de Willow. Donc on n'a pas pu rentrer dedans. On va checker d'autres endroits. Mais ouais. Voilà. Ouais, voilà, non, mais c'est pour l'expérience. Pour l'instant, les potes, à mon avis, il est éclaté. Hein, je vous non, mais les gars, en fait, faut juste le prendre comme une expérience, les gars. Ici, je connais pas les boîtes de nuit, donc j'en sais rien du tout. Et moi, je suis pas dans les boîtes de nuit en général. Mais faut le prendre comme une expérience, c'est quand même cool de voir ça, genre une fois dans ta vie, quoi. Et au moins de l'avoir fait pour l'expérience. Ah, ouais, bien sûr. J'espère que tu vas rester un peu. Il y a trop un avis. Après, les gars, faites-vous votre propre avis. Ne vous forcez pas à aller dans des endroits où vous n'avez pas envie d'aller. Faites ce qui vous fait plaisir et c'est le plus important. C'est comme ça qu'il faut prendre le message. Exact. Et voilà, les potes, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le lien en description pour télécharger CyberGhost VPN et bénéficier de 4 mois offerts sur l'offre 2 ans. C'est une belle offre pour l'été. Sur ce, les potes, on se retrouve très bientôt pour la partie 3. Salut à tous. On met un pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche. Et yo tout le monde.